bonjour à toutes et à tous. Et bien aujourd'hui, je vous propose une petite recette de maquereau en papillote avec la plancha. Allez, c'est parti. Je vais allumer ma plancha. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser bien chauffer. Pour cette recette, il vous faut donc 4 maquereaux. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait vider par mon poissonnier, donc je l'ai fait moi-même. Ensuite, j'ai pris 200 g de carottes congelées en rondelles. Là, je les ai plongées dans l'eau bouillante, et dès que l'eau bouillante s'est mise à l'ébullition, eh bien, j'ai égoutté mes carottes. Comme ça, elles ne sont pas trop cuites, je pourrais les mettre dans les papillons. Ensuite, il vous faut, pour faire une petite sauce, pour mettre dans la papillote, donc, bah, j'ai mis de la moutarde, j'ai mis du poivre, deux cuillères à café de filet de poisson, et puis j'ai mis du vin blanc. Donc ensuite j'ai mélangé le tout, ce qui fait que ça donne cette petite sauce. Et puis ensuite, vous voyez, j'ai préparé 4 papillotes avec du papier d'alu, puisque j'ai 4 maquereaux. Donc voilà, maintenant bah, je vais remplir mes papillotes que j'avais préparées. Je vais mettre un maquereau dans la papillote. Ensuite, je vais mettre quelques rondelles de carottes. Et puis, je vais verser ma sauce sur le maquereau. Et ensuite, il ne reste plus qu'à fermer ma papillote. Mettre des papillotes sur la plancha. Je vais préparer les 3 autres et ensuite on va mettre ça sur la plancha. Je vais placer mes papillotes sur la plancha. Voilà. Et on va laisser cuire tranquillement. Là, je vais déplacer un petit peu les papillotes. Derrière, devant. Et ainsi de suite. Et voilà. Donc les papillotes et les maquereaux cuits pendant une vingtaine de minutes. On va pouvoir éteindre et puis voir le résultat. Allez! On va regarder ce que ça donne. Voilà. Attention, c'est quand même un petit peu chaud. Voilà. Je pense que tout ça, ça devrait pas être mauvais. Allez, je vous souhaite bon appétit à tous et à tous, et à bientôt pour d'autres recettes.